La cinquième salle IMAX de France ouvrira mercredi prochain au Gaumont-la-Bège. Le principe, deux projecteurs numériques qui diffusent simultanément la même image, deux fois plus de luminosité et donc deux fois plus de contraste, afin d'obtenir une meilleure 3D sur un écran plus haut qu'à l'habitude. Au niveau du son, les enceintes, ici invisibles, occupent 10 fois plus d'espace que dans les classiques salles de cinéma. À partir du 20 octobre jusqu'au 26, un mini-festival dédié à l'IMAX en 2D ou en 3D présentera entre autres Avatar, Dark Knight ou Inception. Cette salle sera, selon les prévisions, rentable dans 5 ans. Le but recherché est une réplique commerciale au téléchargement pirate et aussi un outil de concurrence face au centre-ville.